Salut, je m'appelle Maxou, j'ai 13 ans et je fais du break depuis 4 ans avec Paolo dans le groupe Flo Killer Crew. Moi je fais du breakdance. Dans le breakdance il y a on va dire 3 catégories de mouvements. Il y a les footwork, c'est tout ce qui est au sol. Top rock, c'est tout ce qui est debout. Et power move, c'est les mouvements rapides, les enchaînements. Alors je m'entraîne 4 fois par semaine, ou 3 fois, ça dépend. Et environ 5 à 6 heures par semaine. Bon, là les gars, on est au Carré Sénart, c'est un peu l'endroit où tous les b-boys viennent se regrouper pour danser ensemble et tout. Donc là, je vous fais une démo. Mes objectifs pour le futur, c'est de gagner le Red Bull Beast One. Le Red Bull Beast One, c'est un peu le championnat du monde de breakdance pour tous les professionnels, quoi. Et il faut avoir plus de 18 ans pour faire. Pour le moment, mon plus gros titre, c'est j'ai gagné le Battle Pro, c'est le championnat de France, moins de 12 ans. Et donc du coup, je suis qualifié pour le championnat du monde à Bercy. Dans le break, je préfère les acrobaties, les saltos et tout ça. J'aime bien ça. Ça me monte en adrénaline. Bon les gars, faut savoir un truc, il y a 3 pas de base pour débuter dans le break. Déjà, il y a le premier footwork, ça s'appelle le 3 temps. Ta, ta, ta. Ensuite, il y a le deuxième, c'est Indian Step. C'est un top rock. Le dernier, c'est un freeze, baby freeze, ça s'appelle. On doit se passer comme ça, ensuite on met les deux mains. Et voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne en faisant les 3 en même temps rapidement. J'ai commencé le breakdance à 7 ans et bah, j'ai direct kiffé. Le style, c'est important dans le break parce que ça fait un peu ta personnalité, quoi. Si par exemple tu t'habilles avec un jean ou avec un jogging Nike, bah, ça fera pas la même chose quand tu feras par exemple une vrille ou des footwork. Bah, j'ai pas vraiment de modèle, je m'inspire un peu des grands, quoi, des anciens. Il faut savoir qu'il y a plusieurs équipements à avoir quand on fait du break. Par exemple, des bonnes chaussures, il faut que ce soit léger, que ça accroche bien au sol. Ensuite, j'ai des coudures pour danser, mais je les ai pas prises, ça protège pour les vrais coudes. Ensuite, j'ai un bonnet aussi. Quand je tourne sur la tête, ça m'évite de me cramer les cheveux et tout ça. Je me suis fait connaître avec les battles, parce que c'est surtout en battle qu'on va se faire connaître. Parce que si on reste à l'entraînement à faire des vidéos sur Instagram, ça va pas trop me faire connaître, quoi. Ce qui me fait plus kiffer dans le battle, c'est le DJ. Et mon DJ préféré, c'est DJ Sanka. Oui, les réseaux sociaux, c'est important parce que ça fait de la com un peu. Et on s'apprend un peu à se connaître par les réseaux sociaux. Par exemple, un b-boy qui habite au Japon et par exemple, j'habite en France, bah, on va un peu communiquer par les réseaux sociaux. Écoute, pour moi, je le vois dans 8 ans, grand danseur, voilà, qui a réussi, qui a été aussi très très fort à l'école, parce que pour moi, je pars du principe que dans la danse aujourd'hui, c'est précaire. Tu n'as pas spécialement en vivre correctement. Donc si à côté de ça, en plus, il peut apporter un nouveau souffle avec son intelligence et comment il est en tout cas aujourd'hui à l'école, il est quand même surdoué. Donc voilà, on va essayer de coacher comme ça, en tout cas de le soutenir dans ce qu'il veut faire dans la vie, et puis on est là. Oui, j'aimerais bien vivre du breakdance, mais je pense pas que je réussirai que avec le breakdance. À l'école ça se passe bien, j'ai 15 de moyenne. Après c'est plus en anglais, je suis fort. Après en sport aussi, logique. Et en mathématiques ça va. Je
suis amené à voyager dans différents pays. Je suis parti aux États-Unis, dans à peu près toute l'Europe. J'ai fait l'île de la Réunion et bientôt j'aimerais bien faire tout ce qui est Asie. Tout ça. Plus tard, je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'hésite un peu. J'aimerais bien faire astronaute, mais il faut être fort en maths. Mais bon, après ça va, je ne suis pas trop nul, mais ça va quoi. C'était Maxou, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, allez checker mon compte MaxouFK sur Instagram. Restez déter. Peace.